Bonsoir à tous. Nous sommes au gala, au toujours quatrième gala de l'Académie internationale des beaux-arts. Et j'ai l'insigne honneur d'avoir avec moi M. Jacques Hébert, un maître émérite et incontesté de l'aquarelle, qui depuis nombre d'années a enseigné son art et transmis à bien des gens qui ont fait des carrières grâce à M. Hébert, parce qu'au début, les gens cherchent un petit peu et vont vers des maîtres qui ont une bonne connaissance pour les guider. Alors, c'est tout à votre honneur, M. Hébert. Et il y a surtout une chose à laquelle j'aimerais vous entretenir, c'est que vous êtes avec M. Ladouceur. Jean-Paul. Le fondateur de la Société canadienne d'aquarelle. Parlez-moi-en un petit peu. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fondé cette société? C'est exact. Tu vois, nous, ce qu'on voulait à l'époque, on voulait promouvoir ce médium qui est un médium extraordinaire, qui est très populaire à l'étranger, qui l'était moins au Québec un peu. Alors nous, on a décidé, Jean-Paul, tous les deux, après une petite réunion, un petit report, on a dit qu'il faudrait fonder cette société puis aller rechercher dans la communauté, au travers du Canada, dans l'Est du Canada, les meilleurs aquarellistes. Et on les a trouvés. On a formé une société qui s'appelle la Société canadienne. Et le but premier, je le redis toujours, c'était pour promouvoir ce médium. Et le médium est encore en évolution. Les galeries nous boudent un peu, mais on s'aperçoit, même à l'étranger, parce que je travaille à l'étranger, que l'aquarelle est devenue majeure. Et je sens aussi que la Société canadienne d'aquarelle est en bonne santé parce que on entend beaucoup parler de cette société-là. Puis effectivement, les gens font de plus en plus d'aquarelles. Mais pour les galeries, moi, pour en avoir parlé avec des galeristes, il y a toujours la difficulté de la vitre, hein, devant. Exactement. Ça c'est sûr que c'est une circonstance qui fait que c'est moins populaire un peu. L'acheteur qui vient de, exemple frappant, l'acheteur qui vient de Winnipeg ou de Vancouver, qui retourne avec un bel aquarelle de l'Est du Canada, ben il y a toujours le problème du transport. Et les galeries nous boudent un petit peu à cause de ça. Alors, les galeries ont été, je ne me gêne pas de le dire, ont été responsables un peu de cette circonstance. Mais nous, on est toujours là pour promouvoir ce médium. Moi, je ne suis pas prostitué dans le sens que j'ai pas changé de médium. C'est le plus beau médium et je vais mourir avec ce médium-là. Sauf que maintenant, ce qu'on fait un petit peu plus, tu as dû le voir sur le marché, c'est assez facile de faire de belles aquarelles sur toile. J'ai une technique fantastique. Oui. Sur toile, on met des vernis exactement comme les autres médiums mettent des vernis et ça fait plaisir aux galeries qui nous font rentrer par les portes de l'arrière. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'il y a un goût pour ça et si jamais il y a des gens qui veulent connaître nos techniques, bien, on est toujours là. C'est ça, il y a une éducation à faire là-dessus parce que justement, on remarque de plus en plus des aquarelles sur des toiles, des canevas. Et donc, ça enlève un peu le mythe du fait que c'est sur le papier. Parce que l'aquarelle, de tout temps, des temps anciens, ça a toujours été un médium qui a été utilisé par de grands maîtres à travers les siècles. Hein. C'est que du temps moderne où les galeries ont boudé un peu parce que... L'aquarelle n'est pas d'hier. Imagine-toi que si on parle, mettons, les papiers Arche, exemple, 1492, et de la croix du groupe des impressionnistes a découvert l'aquarelle en 1824. Parce qu'il y a un Anglais qui est arrivé dans la région, puis la voisine a dit, il est venu chercher de l'eau chez moi, ça doit être une erreur. Non, venez voir, il peint avec de l'eau, et c'était l'aquarelle. Alors, les impressionnistes, eux, dont Delacroix, qui communiquait, s'est mis à faire des lavis. Alors, il faisait que des lavis. Il y avait, tu sais, pour faire l'aquarelle, ça prend de l'habileté, ça prend une technique. C'est plus difficile un petit peu que les autres médiums, dit-on. Moi, je suis venu au monde avec ça. Ça a l'air facile, mais c'est vrai que c'est un médium facile. On dit même que si on fait de l'aquarelle, on peut faire tous les autres médiums. Et l'inverse se voit jamais. Je peux être sûr de ça. Vous avez bourlingué un peu partout. Hein? Et vous avez en même temps travaillé beaucoup sur le motif. Je vous ai déjà vu sur le motif. Hein? J'ai même déjà vu un chapeau qui revole au vent. Hein? Il y a déjà même eu M. Bruins a commis une vidéo sur et qui s'intitule « Il faut être fou pour peindre ». C'est pour peindre en plein air, quelque Exactement. Chose comme ça. Et donc, M. Hébert, ce que je vous demande, c'est qu'avec le temps de toutes ces années et le climat qu'on a, comment voyez-vous? Vous peignez toujours sur le motif? Je peins toujours sur le motif. Hier, exemple, je reviens de la Gaspésie.
Bien, j'ai peint encore hier, avant de partir hier matin, près de la rivière Bonaventure. Comment peux-tu ne pas sortir quand le sujet nous permet tout? Alors, c'est sûr qu'il y a tous les moyens de l'ordinateur, tout ça, la photo, mais tu n'as pas la sensibilité, c'est impossible. La nature nous fournit tout. Alors moi, je le dis souvent, je le répète à nos élèves qui viennent nous voir, comment tu as juste à sortir l'automne, le printemps, c'est le changement d'atmosphère, de couleur, d'environnement. Et moi, j'adore toujours ce milieu. Et tout, une génération de mes confrères, qui sont de ma génération un peu, sont tous dehors encore. Si je parle de Tex Lecor, Marcel Feitoul, Louis Tremblay, Saint-Gilles Côté, Bruno Côté, et moi-même, nous sommes toujours dehors. On va chercher la ressource. Et je suis un peu déçu de voir que beaucoup de gens se servent d'ordinateur. Alors, moi, ça diminue un peu. Il y a un côté création aussi, c'est sûr. C'est des médiums qui peuvent nous aider. Mais moi, je préfère être dehors. C'est ça. Il y a différentes façons, c'est sûr, de voir le travail. Exactement. Mais c'est sûr. C'est le résultat qui compte. Je suis d'accord avec vous. Oui. Bien, alors, des projets? Des projets, on en a plein, évidemment. Je suis en Europe à la fin de l'année. J'ai des ateliers durant la saison estivale. Et je fais 80 000 km par année, le bonhomme, ici. Un homme passionné. Oui. Et ça se sent quand on voit vos couleurs, quand on voit vos œuvres. Moi, j'ai toujours vu un Jacques Hébert de passion. Et tout au long de sa carrière, que j'ai toujours suivi, ça ne s'est jamais démenti. Alors, bon gala, bonne soirée et au plaisir. Au revoir.